Salut à tous et toutes. Aujourd'hui, on traverse la ville de... On va découvrir la ville de Janico. Ici, à la province de Santiago, en République dominicaine. Si vous me demandez où se trouve Janico, Janico se trouve dans la zone montagneuse au sud de Santiago, c'est-à-dire 26 km au sud de Santiago, de Santiago de los Caballeros. Mais comme Santiago, comme la ville de Santiago de los Caballeros, c'est une petite ville appartient aussi à la province Santiago, en la République dominicaine. Comme vous pouvez regarder, cette ville n'est pas très grande. À vrai dire, c'est une petite ville. Si vous notez, maintenant on monte, et parce que cette petite ville se trouve dans les montagnes. C'est pour cela qu'il y a des pentes et aussi il faut descendre beaucoup de fois. La géographie est très accidentée, c'est-à-dire. Et si vous me demandez, Maxime, et Max, parle-moi de l'histoire de ces communes. Et je vous dis que cet endroit a été fondé en 1494 par Christophe Colomb. Le but de la construction de cet endroit par Christophe Colomb, c'est-à-dire, c'est à ce moment, cet endroit était utilisé pour, et on a dit, stocker les métaux précieux, c'est-à-dire l'or. Et si vous me demandez l'or, oui, à cet endroit, il y a beaucoup de, on a dit, de petites
de petites rivières et de fleuves. Donc, à ce moment, cette rivière et fleuve avaient beaucoup de métal précieux, c'est-à-dire d'or. Et voilà, si vous aimez mes vidéos, partagez, likez et n'oubliez pas vous abonner. À bientôt!